Ségolène Royal vous répond en direct sur RTL. Yves Calvi, RTL Matin. 8h20, Ségolène Royal, merci d'être resté avec nous pour répondre aux questions de nos auditeurs au 3210. On va commencer avec une question autoroutière, si je puis dire. C'est François qui vous pose cette question. Il est chef d'entreprise et il nous appelle de Strasbourg. Bonjour François. Bonjour. Ségolène Royal vous écoute. Alors, comment faire pour que le prix des péages n'ait pas à augmenter si vous taxez davantage les sociétés d'autoroutes? Vous savez que le contrat signé entre l'État et les sociétés d'autoroutes prévoit une compensation de toute augmentation de leur fiscalité. Merci de votre réponse. Oui, c'est une bonne question qui va me permettre de bien clarifier le problème qui se pose aujourd'hui. Il ne s'agit pas de taxer les autoroutes et donc certainement pas d'augmenter encore le prix des autoroutes, puisque les autoroutes n'ont pas respecté le contrat qui était le leur, c'est-à-dire qu'elles auraient dû baisser les prix au fur et à mesure de la durée d'amortissement des autoroutes, de l'infrastructure. Et donc les Français ont payé deux fois. Ils ont payé les autoroutes lors de la construction. Et lorsque le gouvernement Raffarin-Villepin a privatisé les autoroutes, celles-ci ont continué à faire payer les automobilistes. Et donc les automobilistes ont payé deux fois. Et ce que dit le rapport de la Cour des comptes, c'est que les sociétés d'autoroutes n'ont pas respecté le contrat dans la mesure où elles auraient dû baisser les péages et ne pas continuer à empocher les super profits. Donc aujourd'hui, la négociation qui va s'ouvrir, c'est que les autoroutes rendent cet argent pour pouvoir justement faire les travaux d'infrastructure. Mais concrètement, vous allez par exemple interdire les hausses ou les bloquer ? Normalement, en effet, les autoroutes n'ont plus à augmenter. Elles doivent même normalement baisser les tarifs. Par exemple, souvent, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas au moins les autoroutes gratuites le week-end pour que les gens n'arrêtent pas? D'abord, qu'ils dépensent, qu'ils partent en famille, qu'ils payent en plus l'autoroute, ça coûte cher, ça fait des bouchons, etc. Pourquoi est-ce que les autoroutes ne sont pas gratuites le samedi et le dimanche, par exemple, mais vous aux heures de pointe? Je peux vous dire que ça sera populaire, hein. Jean-Michel Apathy. Vous allez créer une... Et ça serait leur devoir. Si vous allez créer une taxe sur leurs bénéfices? Non, il ne s'agit pas de créer une taxe, parce que si je fais une taxe, elles vont en effet répercuter. Donc voilà. Ça suffit, elles ont comment maintenant elles ont suffisamment. Eh bien, les discussions vont commencer avec les autoroutes, justement, pour les mettre devant leurs responsabilités. Puisque la Cour des comptes a dit que les autoroutes avaient fait trop payer les automobilistes, oui, et elles auraient dû, compris. Je le répète, baisser les tarifs au fur et à mesure de l'amortissement. Mais elles ne vont pas donner l'argent d'elles-mêmes. Et bien, c'est ce qu'on va prendre si vous voulez prendre. C'est ce qu'on va discuter. C'est pour ça qu'on va discuter. Mais excusez-moi. Qu'à un moment, il faut que chacun soit mis devant leurs responsabilités. Un État moderne, c'est un État où aussi les citoyens comprennent ce qui se passe et où chacun est mis en public devant ses responsabilités. C'est là, il faut qu'elles soient mises devant leurs responsabilités. J'ajoute qu'aujourd'hui, on a besoin de financer les infrastructures, les trains, les routes, le transport urbain. Donc il n'y a pas de raison que les Français payent deux fois, et avec des impôts d'un côté et avec les tarifs des autoroutes de l'autre. Donc ce que je souhaite, puisqu'il y a 20% de tarifs en trop, puisque quand une autoroute fait payer 100 euros, il y a 20 euros de trop qui sont empochés. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une baisse des tarifs autoroutes de 10% avec une gratuité, par exemple, le week-end. Mais tout ça a été à discuter. Et sur les 10%, les 10% restants, que ça vienne financer le fonds d'investissement sur les infrastructures. Baisse de 10% sur les tarifs et possibilité de gratuité le week-end, vous avez bien retenu. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. En tout cas, vous voulez le mettre en négociation avec les sociétés Exactement. Autoroutières. On va donner la parole à Antoine maintenant, qui nous appelle de Charleville-Mézières. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Je défends les couleurs d'une société que vous avez visitée à Royan, qui fabrique des sacs plastiques avec 70 personnes. Et puis je défends aussi une filière de 20 producteurs qui représente 3000 emplois en France. Vous souhaitez remplacer les sacs plastiques par des sacs biodégradables. Aujourd'hui, ces matériaux sont trois fois plus chers. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait un report sur l'industrie papetière et devoir supprimer toute cette filière en France qui produit donc des sacs plastiques? Alors, je crois que vous ne fabriquez pas des sacs plastiques à usage unique qui sont jetés après l'usage unique. Vous fabriquez... Aujourd'hui, si vous voulez, on n'a toujours pas la définition de ce qu'est un sac à usage unique. Donc, on peut penser que le périmètre est assez large. Les sacs qui peuvent être réutilisables
resteront bien évidemment autorisés. Ce qui est interdit sont les sacs à usage unique qui créent des pollutions, des volumes d'abord de traitement des déchets qui pèsent ensuite sur la facture de traitement des déchets des Français et qui surtout ne sont pas biodégradables, sont disséqués dans de multiples petites unités de plastique qui polluent l'eau et même dans les stations d'épuration, cette pollution n'est pas éliminée, c'est rejeté en mer et figurez-vous, il y a un continent sous-marin entier qui est constitué d'agglomérats de déchets plastiques. Antoine, il faut changer de métier. Donc, non, je dis à Antoine que premièrement, ce qu'il fabrique, ce ne sont pas des sacs à usage unique et que deuxièmement, il faut de toute façon évoluer aussi à terme. Certaines entreprises françaises que j'ai rencontrées commencent à investir dans les sacs biodégradables et donc vous voyez qu'à partir d'une lutte contre la pollution, on peut créer des emplois dans des filières qui sont à la fois innovantes et protectrices de l'environnement. Mais les sacs plastiques qui peuvent être réutilisables, bien évidemment, continuent à être autorisés. Merci Antoine. Nous donnons maintenant la parole à Béatrice qui nous appelle de la Malmaison dans le département de l'Aisne. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour madame. Bonjour. Voilà, j'aimerais savoir la simplification des demandes de prêts, s'il vous plaît. Pour l'énergie renouvelable. Pour l'énergie renouvelable, parce que alors là, c'est... Pouf. Vous voulez dire que les délais d'attribution des aides de l'État sont extrêmement longs? De demandes de subventions, de versement d'avance de travaux, sur les taux des coûts prêts zéro, oui. C'est vraiment long, très long. C'est long. D'abord, je vous félicite de programmer des travaux d'économie d'énergie. Vous allez d'abord bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% du montant de vos travaux. Et deuxièmement, en effet, j'ai simplifié la délivrance des prêts à taux zéro par les banques qui étaient bloquées à cause de procédures administratives lourdes. Donc normalement, aujourd'hui, votre banque doit pouvoir vous délivrer rapidement les prêts à taux zéro. Vous lui dites que je vous ai dit que les procédures étaient simplifiées. Or, en telle, vous allez me donner le nom de votre banque et son adresse et je vais m'en occuper parce que, et je leur dis aux banques qui m'écoutent, les choses ont été simplifiées. Les banques, il faut le savoir, bénéficient d'un crédit d'impôt pour délivrer ces prêts à taux zéro. Il y a 100 000 prêts à taux zéro qui sont mobilisables et donc vous devez pouvoir y accéder facilement. Ségolène Royal va appeler votre banquier. Hein. Vous donnez bien les références à nos amis standardistes. Merci de votre appel, Béatrice. Inattendu. Rémi, bonjour. Vous serez le dernier à intervenir ce matin. Oui, bonjour RTL, bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Voilà, je suis donc chauffeur routier et je voulais vous poser la question suivante. Pourquoi est-ce que la France ne met pas en place une Eurovignette pour tous les véhicules poids lourds étrangers qui transitent par la France, du fait qu'il y a énormément de véhicules étrangers qui font que transiter, qui ne consomment pas, qui usent les routes, et donc ce serait absolument normal, puisque la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne mettent une éco-taxe par jour. C'est une très réponse bonne, de Ségolène Royal. C'est une très bonne proposition que je défends depuis plusieurs mois, qui serait beaucoup plus judicieuse et intelligente que ces portiques EcoMove. Et c'est exactement la solution que nous sommes en train d'examiner pour remplacer ce système absurde d'EcoMove. Merci Ségolène Royal de vous être prêtée au jeu du question et des réponses avec nos auditeurs. Une simple question, on pourrait dire concernant votre avenir politique, est-ce que vous auriez pu être élue présidente de la République? Vous seriez la seule femme en France à avoir été présente à un second tour d'élection présidentielle. Est-ce que vous avez renoncé à toute ambition présidentielle? Oui, j'ai renoncé à toute ambition présidentielle. Je pense qu'il faut savoir faire de la politique autrement. Ou disons, il faut savoir rendre service à son pays autrement. Là, je suis engagée dans une cause majeure, qui est celle de la protection de l'environnement. Et je continuerai sans doute dans cette direction-là. Et je laisse à d'autres les batailles électorales. Merci d'être resté avec nous ce matin. Et je rappelle que vous venez de nous annoncer que vous souhaitiez, entre autres, pouvoir travailler sur un projet de gratuité éventuelle des autoroutes le week-end. Bonne journée à vous.